Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, une abonnée a pris contact avec moi pour essayer de rentrer en contact avec son défunt mari. Après avoir eu une longue discussion avec cet abonné, j'ai donc décidé de le faire. Nous avons donc essayé de rentrer en contact avec son défunt mari en essayant de faire une séance de Spirit Box. Voilà les amis, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite à vous, à tous et à toutes, un très très bon visionnage. Ça m'a plu souvent, c'est les appareils qui s'étalent. Pour ça, ils sont chargés à fond. Les entités qui prennent de l'énergie, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Parle une fois. Ça va? Ouais, j'entends. Ah, c'est mieux. Yvan, est-ce que tu serais capable de rentrer en contact avec nous? C'est ton épouse qui m'a contacté.
pour essayer de rentrer en contact avec toi. Est-ce que tu as assez d'énergie? Si tu n'en as pas assez, tu peux prendre dans les batteries de mes appareils. Pourrais-tu faire un bruit, par exemple? Ton épouse voudrait bien savoir si tu es encore parmi nous. Si tu es bien. Maintenant, tu peux interagir avec le K2. Tu peux venir le toucher, si tu sais. Si tu t'en approches, c'est inoffensif. Faut pas avoir peur. Je ne suis pas ici pour te chasser. Loin de là. C'est uniquement ton épouse qui voudrait bien savoir si tu es encore là, dans la maison. Est-ce que tu pourrais venir toucher le K2? En le touchant, tu vas voir les petites lumières qui vont bouger. Est-ce que tu saurais faire ça? Est-ce que tu es encore là? N'hésite pas à prendre de l'énergie dans les batteries si tu n'en as pas assez. Est-ce que tu veux rentrer en contact avec ta femme? Elle a beaucoup de questions pour toi. Maintenant, tu me dis, hein, si jamais tu te connais sans voix, si tu penses que tu te connais sans voix, mais tu me le dis. Hein. D'accord. Et ils ont aussi un peu de raison. Oui. Je vais essayer de passer en arrière pour voir. Yvan, est-ce que tu es là? Profites-en, je viendrai qu'une fois. C'est pas pour moi, c'est pour ta femme. Est-ce que tu voudrais rentrer une dernière fois en contact avec elle? Elle se demande si tu es bien. Je sais bien que tu as souffert pendant 10 ans, donc voilà, on se demande si maintenant tu es libéré de cette charge, si maintenant tu te sens bien, et voir si tu as passé la lumière, si tu as rejoint tes proches,
ou si tu es encore parmi nous, dans le monde parallèle, dans le monde invisible. Si c'est le cas, je voudrais bien, s'il te plaît, que tu rentres en contact avec nous par le biais de la Spirit Box ou alors par le biais du cadeau. Est-ce que tu voudrais bien rentrer en contact avec nous, s'il te plaît? Je suis là. Tu veux que ta femme te parle un petit peu? Elle peut communiquer avec toi si tu veux. Elle est là pour ça. Elle n'a pas que ça. Elle en rêve même. Ça fait tellement vite que je n'ai pas compris. J'aimerais bien savoir si tu vois que tu es bien venu. Non. Ma gueule. Je vais te rappeler. J'aimerais bien savoir si tu es bien, Magnon. Ça me hors. Moi j'ai entendu c'est moi. Est-ce que c'est toi qui as dit c'est moi? Est-ce que tu pourrais me confirmer en disant que c'est toi qui est là? C'est toi? Tu es là? Dis-moi. Oui, c'est moi. Pourrais-tu toucher le cadeau? Venir le toucher. Comme ça. Ça te fera pas mal, hein, tu peux y aller. Non, non, ça ne te fera pas mal. Les lumières vacilleront. Et ça ne te fera pas mal. Et si tu n'as pas cette énergie, prends les batteries. La batterie de la caméra. N'hésite pas. Tu ne le fais pas, c'est pas pour moi, c'est pour ta femme. Est-ce que tu es avec nous? Serais-tu rentrer en contact avec nous? As-tu la possibilité de rentrer en contact avec nous?
afficher le cadre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui dans la maison, dans cette pièce? Ou veux-tu qu'on aille dans une autre pièce? Est-ce que tu voudrais qu'on aille rentrer en contact avec toi dans une autre pièce? Est-ce que tu seras encore dans ta chambre? Est-ce que tu voudrais qu'on aille dans ta chambre? Et dans la cuisine, tu veux qu'on aille dans la cuisine? Oui, tu veux qu'on aille dans la cuisine? Tu es certainement déjà parti. Ben, si tu es parti, je t'aime. C'est pas pas bien. C'est le c'est bien. Mais on même. Ah ouais, mais tu veux, ouais. On va essayer de passer un mettre un peu. Yvan, est-ce que tu es avec nous? Oui. Yvan. Est-ce que tu sais rentrer en contact avec nous, Yvan? Est-ce que tu es encore parmi nous? Est-ce que tu seras encore dans la maison? Papa, on voudrait avoir un contact avec toi si tu es là. Voir si tu es toujours près d'elle. Oui, tu es toujours là? Parmi nous? Pourrais-tu nous faire un signe? Touche les cas deux si tu sais, Yvan. S'il te plaît, essaye. Essaye, oui. Pour voir si t'es toujours là. Touche le câble, touche-le, comme ça. Hop. Ça ne te fera pas de mal. Je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. C'est ça, tu t'en doutes. Je suis venu ici à la main de ton épouse. Parce qu'elle voudrait bien avoir des réponses. Est-ce que tu saurais lui donner ces réponses? Oui. Allez, va te voir aussi. Est-ce que tu es déjà trop loin?
chercher. Tu es déjà trop loin. C'est déjà trop loin, Marguerite. Enfin, si tu es bien, c'est si con. Et je t'aime. Je n'oublie jamais. Tout l'appareil qui est à côté d'ici là, on peut voir si tu es près de nous ou pas. Si tu n'es plus, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est très bien, c'est ce qu'on dit. Je vais changer d'appareil, je vais essayer avec celle-ci. Si jamais, n'hésite pas, tu n'as pas assez d'énergie, prends dans les batteries. Tu n'as qu'à les toucher et prendre de l'énergie. Oui. J'ai entendu oui. Ouais, mais franchement, une grosse voix en plus. Ben oui. Comme s'il lui disait. C'est quoi ça? C'est la même que celle-là. Oui. Sauf qu'il y a plus de réglages. Alors, depuis que c'est là, je vois rien. Tu veux l'allumer? Non, non. Ça va aller. Alors, je vais la mettre là. À 100. À 100. Voilà Yvan, essaye de rentrer en contact avec celle-ci pour moi, s'il te plaît. Oui, tu nous entends? C'est moi, Poupette. T'as entendu Choupette? Oui, t'as entendu aussi, oui. T'as entendu Choupette? Oui. Oui, c'est moi Choupette. Tu pourrais répéter, Yvan, Choupette. C'est bien, Yvan. Merci, c'est pas une fois. Redis-le une fois, s'il te plaît. Pour être sûr que c'est bien toi. Prenez une fois Choupette. Ah, vas-y, Marie, redis-le une fois. C'est moi, Choupette. Allez, Yvan. C'est pas évident, mais vas-y. Mon loup, tu es là.
Allez, il va, dis-le, choupette. Est-ce que c'est toi, Yvan, qui est avec nous? Ben oui. T'as pas entendu? Ben oui. Putain, on va faire comme ça, ouais. Oh mon Dieu. Ma gueule, si t'es près de moi, franchement, dis-le, encore une fois, choupette. Ouais. Oh mon Dieu. Il vient dormir. Ouais. Ouais. Il vient dormir. Ouais. C'est bien, Yvan. C'est merci. Bien. Merci, ma gueule. Comme la chambre de poule. Ah non, moi aussi là. Oh punaise, gueule, merci. C'est phénoménal. Tout le temps, par contre, comment ça peut aider maintenant dans le futur. Merci beaucoup. Maintenant, Yvan, est-ce que tu saurais, si tu sais, toucher le cadeau? Essaye, touche le cadeau. Dis une fois cadeau. K2. Tu vas le faire, ouais. Oh. Les amis, j'espère que vous aurez pu entendre ce PVE d'une voix désincarnée. Et après cette voix, nous nous retournons tous les deux vers la droite. Les amis, je vous remets la voix en replay. Mettez-moi les amis en commentaire ce que vous en pensez. Poursuivons l'enquête. Ouais, ouais. Ça me... Est-ce que tu es encore près de nous? Est-ce que tu es encore parmi nous? Est-ce que tu veux rester ou tu veux partir? Ou tu veux passer la lumière? Non. Tu veux rester. Tu peux rester près de moi, il n'y a pas de souci. Le temps que ça ne fasse pas du mal à lui. À qui? Ça ne va pas lui faire du mal, s'il reste près de nous. Qui ça? Ah, il va. Je veux dire, s'il est là et qu'il ne va pas ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Si Yvan reste avec toi? Oui. Non, hein? Non. Non, parce que normalement, il n'y a que rien qui va, hein? Oui. Il n'y a pas d'autre. Les autres bouts qui ont entendu ça la radio, hein. Merci Marie, merci d'être près de moi alors. À 100% merci. Je prends ma compte comme ça me rend heureux. Est-ce que tu saurais, Yvan, par exemple, cette nuit-ci, rentrer en contact avec ta femme, mais dans son sommeil, lui certifier que c'était toi? Ça, tu sais faire, ça. Montre-lui que tu es là. Ah oui, Marie, montre-moi que tu es là. Thank you.
et que je l'ai, de toute façon. Et c'est bien gelé, de toute façon. Ah oui, mais de toute façon, c'est sûr. Ça, il a tout dessus. Hein. Je ne sais pas, elle est décédée. Son âme était sous la chambre pour un moment. Hein. Avant de partir. Hein. Donc, moi, j'ai discuté avec Luigi, lui, il est décédé trois fois. Hein. Et ouais. il s'est vu trois fois dans son mouvement, en train d'être que les gens n'ont rien de moyen. Oui, c'est vrai. Ouais. 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 Lui, il n'a plus peur de mourir. C'est pas une peur, c'est une peur d'avoir une présence que je ne connais pas. Maintenant, si j'ai sa présence, ça va. Non, parce qu'il n'a pas vu de lumière, il n'a pas vu, il n'a rien vu, quoi. Il s'est vu au-dessus de son lit, et il a vu son corps, le gars qui essaie de le réanimer. Ça, ils n'en parlent jamais aux gens, parce que les gens prennent pour un sort, quoi. Ben non, non, parce que, ben non, pourquoi pas, ben c'est vrai, ça s'explique. Quand tu n'as pas vécu cette chose-là, tu peux parler pour c'est vrai ou c'est pas vrai. Ah bon? Oui, ça s'explique. Ben lui, il a vécu trois fois. Hein. C'est vrai. C'est vrai. En fait, quand j'ai resté pendant une semaine ici, hein, j'étais juste ici. Hein, ah ouais. J'ai des frissons, mais j'ai froid, mais froid comme ça, jamais. Et tu as froid? Mais non, pas, mais quand il était là, je lui dis, ouais. Et que, voilà. Ben, c'est qu'il était près de toi. Ah oui, j'avais des frissons comme j'avais jamais eu, des trucs. Moi, par exemple, maintenant, je ressens un truc en moi. Oui. Je ressens comme un petit topement. Oui. J'ai un peu le froid, mais alors je ne vais pas dire que... Mais... Je ressens un petit topement. Moi, je ressens un galère. Que quand je suis arrivé, j'avais rien. Yvan, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore avec nous? Je sens un galère. Je ne sais pas. Dis-nous oui si tu veux bien. Ah oui, si tu es toujours là, dis-le-nous. Demain matin, tu seras toujours à 100%. Oui. Ouais. Ouais, je te remonte à moi. Ouais. Mais tu vois. Comme on a toujours dit, à la vie et à la mort, hein. J'espère que tu pourras prendre bien soin de ta famille si tu restes. Allez, encore un petit effort. Et tes enfants pensent très fort à toi aussi, hein. Hugo et Lucas sont à 100% avec toi. Tu le sais, de toute façon, on parle tous les jours de toi, de Hugo, tu le sais. Ta chair et ton sang. Oui. Comment est-ce qu'on l'appelait Hugo quand il était petit? Son surnom c'est quoi? Lui. Peut-être. T'as pas entendu ça? Non. T'as pas entendu peut-être? Non, je n'ai pas fait attention. C'est parce que c'est comme ça qu'on le surnomme le petit. C'est ça, je l'aurai avec la veuve de la... Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah, tu dois le voir après. Oui, j'enregistre, hein. Ah ouais, d'accord. Comment il s'appelait, Hugo, quand il était petit? Quand il était bébé?
Moi aussi, j'ai un fils qui s'appelle Hugo. Arriver aussi, que ça arrive des fois, tu vois, quand une entité n'est pas habituée à avoir un contact avec lui, ben, il tente jusqu'à temps qu'il a de l'énergie. Et après, il a tellement, c'est qu'il a de l'argent, qu'après, il s'est. Je comprends bien qu'il y a peut-être certainement fatigué maintenant. Et quand on sait déjà beaucoup, avant de se bien aider, je ne sais pas. Bon, enfin, on a eu quelques réponses quand même. Ouais. Ah ouais, mais regarde. C'est ça, je dois bien être. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si c'est psychologique ou je ne sais pas. Et quand je m'entraîne, c'est pour aujourd'hui, j'ai écouté les voix. D'accord, j'ai entendu. Pour des frissons. Elle m'a gueulé. Elle là? Elle est pas là, en tout cas. Ah, si t'as des frissons et que t'as une sensation de froid. Est-ce que tu es encore là? Je vais descendre. Ah, c'est comme moi, hein, moi aussi. Est-ce que tu es encore là, Yvan? Essaye de toucher le cadeau. Ça ne te demande pas beaucoup d'énergie. Essaye. Touche le cadeau. Ou encore mieux, va faire ton épouse. Essaye de la toucher. Voilà dans tes bras. Rapproche-toi de ta femme, Yvan. Voilà dans tes bras, touche-la, touche sa main. Ça lui fait tellement plaisir. C'est dans le jour là. Moi, je ressens des choses, je ne sais pas quoi, mais... Quand t'as fait quelque chose? Non, je ressens quelque chose. Comme si, je ne sais pas. Voilà. Ça va? Ouais. Ça va, oui. C'est bon, je... C'est qu'il est fait de toi. Je vais être comme le frère. Il est fait de toi, il est ici, hein, ça c'est sûr. Regarde, j'en ai la chambre de cou. Viens, les portes qui se dressent. Regarde, j'en ai la chambre de cou. Fais-le voir, regarde. Ah, mais c'est vrai. Regarde, regarde ça. Wow. Ouais. Il est là, bien, hein. Jusqu'ici, jusque dans les jambes. Ben, Yvan, t'es là, hein. Oh là là, regarde ça, bien. Merci, ma gueule. Merci de ça. Ouais, okay. Est-ce que tu aimerais que je revienne une fois? Pour que tu te prépares. Pour avoir un peu plus d'énergie. Fais aller le cadeau. Touche-le si tu veux que je revienne. Pour réessayer de rentrer pour une fois en contact avec toi.
s'il te plaît. Tu veux bien ou pas? Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Ou dis uniquement oui. T'as entendu, hein? Ouais. T'as entendu, oui? Ouais. Et une grosse voix, en fait, parce qu'il avait une grosse voix. Ouais, ouais. Il avait une grosse voix. Ouais. Eh ben, je reviendrai. Promis. Promis. Vu si tu m'entends toujours, je t'aime à 100%, ouais. Je serai toujours là avec toi, hein. Comme toi, tu seras toujours avec moi. Je t'aime. Fais attention à toi et moi je fais attention à moi. À bientôt. Et tes enfants, t'es un aussi, hein. À 100%, ouais. Et... toute ta famille pense à toi, hein. Et... tout le temps. On est là tout le temps pour toi et on parle tout le temps de toi, donc il n'y a pas de souci, tu ne veux pas jamais. Et moi, quand je serai rentré chez moi, je ferai une prière pour toi. Est-ce que tu veux que je fasse une prière pour toi? Il était athée, c'est rien maintenant. Tu peux dire? Il était athée, c'est rien maintenant. Je vais vous prier pour lui, justement, il était athée avant. Oh! Ah, je ne sais pas. Hein. Ça, si il ne veut pas, s'il ne me répond pas, je ne sais pas. Non, mais tu peux, pour moi, tu peux, pour moi. Non, c'est rien, c'est. Oh. C'est chien. La belle, d'accord. Tout fait. Merci Julien, merci d'avoir été avec nous là. Monsieur le prochain. Oui. Attends, je reviendrai. Et je reviendrai avec un autre appareil que là, tu n'auras pas besoin d'énergie pour le toucher avec une antenne. Et là, tu entendras de la musique. On fera comme ça, Gueule. Comme ça, ça sera mieux. T'es fatigué maintenant, à mon avis. Moi, je trouve que déjà pour être pour le premier contact, c'est déjà pas mal. Franchement. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, pourtant, je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. Si. Mais le ressenti de tout dans. Si, ben, t'as vu, regarde, l'eau est finie, j'ai mis la chair de poule, là. Ouais. Pourtant, tu vois, moi je suis rangé, quoi. Ouais, non, franchement. Eh bien, on va te laisser. Oui, oui. Repose-toi. Et alors, je m'arrangerai avec ton épouse et je reviendrai. Est-ce que tu veux me reconfirmer? Est-ce que tu veux que je revienne? Confirme-moi par oui. Si c'est bien toi. Dis-moi si tu as envie qu'on se recontacte ou pas. Dis oui ou non. On a vraiment
entendu une fois, après c'est plus fini. Hein. Là, oui. Après c'est plus fini. Hein. Ben, je ne sais pas si tu as entendu parler d'une certaine Emily. Il y a une Emily qui a été tuée dans un hangar. On l'a retrouvée en face de la poste à je ne sais plus où. Non, oui. Non. Bon, en fait, je ne suis pas en contact avec Emily. Ah, oui. Qu'on a... Il y a longtemps, je crois. Oui, il y a quand même 3-4 ans. Ben, j'ai mis l'enquête sur la... C'est le... Comment Ah, c'était pas moi, c'était fichu, hein. T'oublies tout, moi aussi, oui, hein. Oui. C'est grave aussi, hein. C'est l'atelier de Wagon. Ah. Il y a 3 vidéos, je pense. Et la toute dernière est restée encore. C'est là où on entend l'incendie. Ben, ça, c'est la bonne ambiance. Ah, ben, c'est bon, elle est sur YouTube. Ouais. Eh bien, on va te laisser. Et je vais m'arranger, je reviendrai. Ça va? Eh bien, j'espère que tu passeras une bonne soirée. Que tu seras, que tu auras été content. Et alors... Je te demande donc de rester avec ta famille, de ne pas me suivre. Tu seras mieux avec ta famille qu'avec moi. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà. Je suis venu ici pour essayer de rentrer en contact avec toi ou ton épouse. Donc je te demanderai de rester chez toi et ta famille. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée en famille. Et à très bientôt. Merci Marguerite, merci d'avoir fait ce que tu as fait et je t'aime. À bientôt. Je t'aime. La fin, j'ai goûté les roches. Ouais. J'ai plus mes oreilles. Le château, il y a crête, gueule. Comment ça se fait que ça passe? Eh ben, bonne soirée à toi. Je vais couper. Bonne soirée, gueule, merci. Et ben voilà. Fin de la séance. Merci. Voilà les amis, après cette séance de Spirit Box qui a duré un petit peu moins d'une heure, je pense que pour une première, nous avons eu quand même assez bien le résultat. Le petit surnom que Yvan donnait à sa femme est sorti plusieurs fois, donc on ne peut pas le nier. Ainsi que les réponses à nos questions quasiment instantanées. Voici les amis, avant la fin de cette vidéo, une petite galerie photo dont nous avons eu capté de belles orbes. Et également pour... terminé, je souhaite vous remercier les amis de tout cœur de me suivre. Un tout grand merci et à très bientôt pour la suite de nos aventures les amis.